Trick, track, track. Allô tout le monde, je m'appelle Thomas. Moi j'ai vécu 6 ans au Canada pour faire mes études. Ma famille, on a un lien particulier avec le Canada. Vers 14-15 ans, on a toujours cette idée de se dire dans quelle ville on aimerait vivre à l'étranger. Et y en a plein, c'est New York, c'est Paris, c'est Barcelone, ce genre de choses. Et moi, ça a toujours été Montréal. Bon, 3 mots déjà, ça suffirait pas. Mais premier, ce serait l'hiver, la joie de vivre, la gentillesse des gens là-bas. Le plus gros cliché, il y a surtout 2 gros clichés. Le premier cliché, c'est celui du comme quoi les Montréalais vivent en souterrain. Effectivement, l'hiver, dans le centre, le centre est relié en souterrain par le métro et par des souterrains pour qu'en fait les gens puissent tout simplement avoir chaud et pas se les cailler à moins 40, quoi. Et le deuxième cliché, c'est tout le monde me parle de l'accent québécois et tout le monde me dit ça doit être particulier, genre de choses. Et en fait, non. Personnellement, je me suis pris tout de suite et c'est maintenant un accent que j'adore. Les gens amicaux, gentils, bons et parfois froids, un peu comme le temps. À la fête à Montréal, ça c'est quelque chose qu'ils savent faire. Bon, déjà, il y a beaucoup de festivals. Goofest, donc festival électronique en extérieur. L'été, il y a beaucoup de choses. Il y a le festival de jazz, il y a les pique-niques électroniques. Après, les bars femmes à 3 heures. Je me rappelle avoir fêté le 4-20. En fait, à Montréal, il faut savoir, c'est un peu l'Amsterdam d'Amérique du Nord, là où il y a le parc Mont-Royal. Et il y avait genre à peu près 2000 ou 3000 personnes et un énorme nuage de fumée montrant qu'en fait tout le monde fumait, quoi. Le logement est pas cher, du moins pour nous, c'est pas cher. Parce que le dollar canadien est un peu plus bas que l'euro, donc forcément, ça nous aide pour ça. Mais sinon, que la nourriture est assez chère. J'en avais par semaine, ouais, 90 $ à peu près par course. Après, ça dépend où on va faire les courses. J'hésitais pas à aller un peu plus loin pour faire des courses un peu moins chères. Là-bas, plus entre amis. Moi, je suis plus vin, mais là-bas, c'était plus bière. Avion, parce que je l'ai pris beaucoup à faire les allers-retours Paris-Montréal. Question difficile, parce qu'il y a beaucoup de concerts et les soirées en même temps sont très sympas. Mais je dirais concert. Montagne. Ah, hamac, parce que j'en avais un sur mon balcon. Instagram, parce que je mets mes photos d'argentique dessus. Allez, Montréal. Chaud, c'est quand même mieux à Montréal, chaud. Ah. Alors, les gens disent que là-bas, les Québécoises draguent. Bah moi, j'ai pas vraiment vu ça, mais du coup, dragueur. Aux étudiants, parce que c'est une super ville étudiante et je pense qu'il y a moyen de tout simplement s'éclater là-bas tout en faisant de belles études. I love you too, ready to go. Ça pas de bar, ça, on se la colle, yes. Trick, track, track. Rencontre, soirée et voyage. Elles sont belles, les hongroises.